Bonjour, je m'appelle Florence, j'ai 36 ans et je suis directeur commercial AXA Entreprises pour la France. Alors, me concernant, je suis diplômée de l'ESCP, diplômée en 2001. J'ai démarré plutôt sur un parcours financier dans une compagnie d'assurance, mais très vite, j'ai été assez intéressée par le commercial. Bien sûr, j'aimais bien la partie technique sur laquelle je travaillais, mais je trouvais que basculer du côté commercial avait une richesse supplémentaire en termes de parcours. Concrètement, cette bascule, ça m'a permis de travailler davantage en groupe, de travailler au service des autres et de travailler à la réalisation d'objectifs collectifs plus ambitieux que l'association des différents talents individuels les uns à côté des autres. C'est un petit peu ce qui a causé ma bascule d'un métier plus technique vers un métier très commercial. Ça fait maintenant près de 10 ans que j'évolue dans des fonctions commerciales, des fonctions que je trouve très enrichissante. D'abord parce que dans nos métiers, commercial, c'est vraiment technico-commercial. C'est un vrai métier de chef d'orchestre. Bien sûr, il faut connaître les techniques de vente, les techniques de négociation, mais il faut aussi connaître le métier de nos clients, leurs problématiques, pour vraiment pouvoir leur parler d'égal à égal, les intéresser et avoir une véritable qualité d'échange avec eux. C'est aussi un métier vraiment tourné vers l'autre, la relation à l'autre, la curiosité ingénue de découvrir quelqu'un, ses besoins, de ne pas avoir peur de poser des questions, de ne pas avoir de réponse. C'est vraiment une richesse fondamentale de ce métier qui permet ensemble de co-construire des réponses. Et cette co-construction, c'est vraiment un élément fondamental et très accomplissant de ce métier. C'est vraiment quelque chose qui me permet au quotidien de trouver de l'épanouissement dans cette conclusion d'affaires avec nos clients. Aujourd'hui, en particulier sur des marchés très matures, des marchés très développés, il y a beaucoup d'offres de très grande qualité chez tous nos concurrents. Donc, qu'est-ce qui fait la différence ? Nous, on mise résolument sur l'écoute des clients. Sur des marchés très développés où finalement on pense déjà avoir tout vu, tout pensé, tout fabriqué, il y a pourtant tous les jours des nouveaux besoins qui émergent, qui n'ont pas toujours de solutions préfabriquées, mais qui nous permettent de réfléchir à des solutions nouvelles. On peut parler par exemple de l'exemple de la cybercriminalité. Aujourd'hui encore, peu de chefs d'entreprise pensent à s'assurer pour ce risque. Et pourtant, c'est une préoccupation qu'ils ont tous les matins en se levant parce qu'ils savent qu'ils sont de plus en plus vulnérables et que c'est un risque qui est en train de se développer. Et bien nous, on considère que c'est notre job de réfléchir à ces sujets-là et d'accompagner les chefs d'entreprise. Et c'est bien la force de nos commerciaux, leur présence sur le terrain, la proximité avec les clients, cet échange vraiment ingénu, curieux de l'activité de nos clients qui nous a permis de détecter ce besoin nouveau et de travailler avec eux à trouver des solutions de prévention, des solutions d'assurance pour combler ce risque. On vend nos produits au travers de réseaux, d'agents généraux, de courtiers, de réseaux salariés qui sont vraiment, je dirais, nos oreilles et nos yeux vis-à-vis de nos clients. Ce sont eux qui ont la proximité de ces clients au quotidien, qui les suivent, qui les accompagnent dans leurs préoccupations du quotidien. Ce sont donc eux, finalement, nos meilleures sondes sur ce sujet-là. Et donc, ce sur quoi nous misons, c'est leur proximité, leur qualité relationnelle avec leurs clients et leur professionnalisme qui leur permet justement de détecter ces besoins et de les traduire en termes assurantiels qui nous permet derrière d'y travailler et de revenir avec une solution.